parmi les autres paramètres qui permettent, au cours des exercices et sur une feuille de papier, de décrire le champ électrique, donc la lumière en tant qu'onde, il y a une autre lettre que je voudrais vous présenter, qui ressemble à un W, c'est un oméga en grec, et qui est la pulsation de l'onde. Qu'est-ce que c'est que la pulsation d'une onde ? Eh bien, on peut difficilement la visualiser directement, donc on va passer par un chemin détourné. La formule de la pulsation, qui n'est pas à connaître, elle contient quelque chose que vous connaissez beaucoup mieux, qui est la longueur d'onde, lambda. Donc à chaque longueur d'onde lambda correspond une pulsation. Donc en fait, si on veut voir différentes pulsations, on n'a qu'à associer ça à différentes longueurs d'onde. Donc qu'est-ce que c'est la pulsation ? Qu'est-ce que c'est la longueur d'onde ? Alors je rappelle que la longueur d'onde, bah, comme son nom l'indique, c'est la longueur entre deux crêtes de l'onde. Là, je suis en train de faire varier la longueur d'onde. On peut imaginer que ça, c'est 400 nanomètres, donc c'est du bleu. Ça, c'est 800 nanomètres entre chaque crête, donc c'est du rouge. Voilà. C'est ce paramètre-là qui correspond à la longueur d'onde et donc qui correspond à la pulsation de l'onde.